Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter un exercice que vous retrouverez dans le programme Pilates de route sur la forme. Je vous le présente parce que c'est vraiment un bon exercice pour renforcer la sangle abdominale, mais c'est également un bon exercice pour renforcer le bas du dos, les lombaires. Je vous invite bien sûr à faire cet exercice avec moi. Placez-vous sur votre tapis avec les pieds bien au sol. Vous allez soulever la poitrine, auto-grandissement, on allonge la colonne, on allonge les bras loin devant. On a deux mouvements un peu différents, on va séparer ces deux mouvements. On inspire, on soulève la poitrine. Le premier mouvement, vous allez rentrer le ventre, vous allongez le bout des doigts vers l'avant, vous arrondissez le dos et vous allez rapprocher doucement le bas du dos du sol. Gardez les épaules basses, allongez bien vos bras. Vous allez décoller les pieds du sol, vous allez croiser vos jambes. Pour remonter, vous allez enfoncer vos fesses dans le sol. Vous allez venir chercher à soulever la poitrine. Et seulement quand on aura la poitrine bien soulevée, on pourra reposer les pieds au sol. On replace les pieds bien à plat. On rentre le ventre, on roule les fesses au sol. On se rapproche du tapis, on allonge les bras, On décolle les pieds, on croise. On pousse les fesses dans le sol. On active tous les muscles de la colonne vertébrale, tac, 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 pour chercher à se redresser. Et on repose les pieds. On expire. Toujours l'expiration, vous en abuez sur une vitre. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On croise et inspire. On bascule le bassin en antéversion. On sort la poitrine et on repose. Et on enchaîne ça. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On rapproche le bas du dos du sol. On croise les pieds, tac, on pousse les fesses dans le sol, on cherche à soulever la poitrine. Et seulement, quand on a la poitrine soulevée, on peut reposer les jambes. On essaye ça encore deux fois. Expire. Allongez les bras. On décolle un peu les pieds, on croise la jambe droite devant. Tic, 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 tic. On soulève la poitrine. On repose les pieds au sol. Même chose, on souffle. On moule les fesses sur le tapis. On décolle les pieds, c'est la jambe gauche. La jambe gauche passe devant et on redresse. Tic, 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 tic. Soulevez encore, 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 encore. Parfait. On repose. N'hésitez pas à refaire cet exercice plusieurs fois. C'est vraiment un bon exercice. Vous allez renforcer votre sangle abdominale. C'est un bon exercice pour renforcer également le bas du dos. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet exercice. Je suis impatient vraiment d'avoir vos commentaires. Vous avez une zone juste située sous cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bien sûr, c'était Fabien G de Route sur la forme. Bougez mieux, vivez bien et à bientôt. Ciao, ciao.